Hello tout le monde, il est 7h du matin. J'aimerais vous dire que je viens de me lever, mais en fait pas du tout, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je viens de nettoyer tout l'appart. Vu que je dois prendre des cachets pour la thyroïde et que je dois attendre minimum une demi-heure avant de pouvoir avaler quoi que ce soit, ben voilà, j'ai une tête atroce, hein, j'ai eu une insomnie, du coup, voilà. Cette semaine, exceptionnellement, je suis chez mon copain. Donc voilà, ça va être un peu la gestion de jeune couple que vous allez voir ici. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait du nettoyage. Voilà, c'est déjà pas mal hein, parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup courir et je sens que ça va être la merde parce que ma mère m'envoie à la commune pour un truc et je sais qu'ils vont m'envoyer chier parce que ma mère n'a pas signé comme elle devait sur la feuille. Et qu'elle en a fait qu'à sa tête, du coup, bah voilà, ça va être la course pour un truc hyper chiant qui pouvait être évité, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Sachant que moi, je dois faire des courses pour ici, donc j'ai anticipé. Il y a sûrement l'aquarium de ma tortue qui va devoir être fait, vu qu'il est dégueulasse tout le temps, ce truc, donc voilà. Voilà. Bah là, je vais me poser un peu parce que à peine levé, j'ai déjà commencé à faire des grands travaux et je pense que je vais tout doucement envisager de me rincer un coup et de m'apprêter, de me maquiller un coup quand même parce que là, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, ça, c'était pour la petite intro. Voilà, donc j'ai toujours une tête de cul, mais je sors déjà moins le fenêtre. Maintenant, je vais me maquiller. C'est pas un luxe. Et regardez ce que mon copain m'a acheté. Ça va être tellement plus pratique maintenant que d'appuyer mes trucs sur des pots de tabac, par exemple. Là, on sait que c'est pas très classe. Donc là, vous le savez pas, mais j'ai mis la crème précieuse de Pin-Up Secret, mais avant de me maquiller, je vais quand même mettre ma crème habituelle pour mon visage. Je pense que de toute façon, ça fera pas de tort vu que c'est l'hiver, c'est un peu la catastrophe. Je vous montrerai ce soir avec Pin-Up Secret éventuellement. Mais l'hiver, ça fait des catastrophes au niveau du visage, des cheveux. Enfin, c'est la période où je m'en sors pas en fait. En été, je m'en sors pas parce que je dégouline de partout, mais ici. Bon voilà, donc c'est parti pour l'instant make-up, mais je pense pas que je vais filmer ça parce que je vais pas faire un truc exceptionnel, je vais juste faire en sorte d'avoir une tête un peu moins dégueulasse. Et voilà. Et voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mes cheveux, c'est une misère en ce moment. Je sais plus comment les coiffer. Bon, par contre, là, je vais remettre le chauffage et fermer la fenêtre parce que il commence un peu à faire moins 12 000. Oui, parce que très important, les gars, aérer votre environnement. Très, très important. Donc là, je remets le chauffage. Et je vais peut-être éventuellement descendre les chaises et la poubelle que j'ai mises en hauteur. Hein. Donc, je crois que je vais me faire un thé en fait. Et hydrater mes mains parce qu'il n'y a pas que le visage et les cheveux qui souffrent en hiver, malheureusement. Bon, je vais déjà fermer la fenêtre parce qu'on meurt. La joie de l'eau qui chauffe. Alors aujourd'hui, je pars sur un thé de chez Rituals, bien évidemment, qui est de la collection Rituals of Sakura. Et pour mes mains, je vais utiliser dans la même gamme le baume ici, qui est un peu plus épais. Généralement, au début de journée, je mets les deux. Et en fonction de l'état de mes mains, je choisis soit le baume, soit la lotion. La macro, merci. Voilà. Donc là, j'attends que l'eau chauffe pour pouvoir me faire monter tranquillement. D'ailleurs, il me faut une cuillère. Ça serait pas plus mal. Voilà. Vous avez vu le service à thé que j'ai ici. C'est magnifique. Donc voilà. Ça chauffe à mourir. Et je me suis gourée de plaques. Bravo, Ninis. Ça pue maintenant. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on se gourde de plaques, ça pue. Bon, on recommence. Voilà, donc la machine tourne. départ dans un quart d'heure, plus ou moins.
J'espère vraiment que pour la commune, ça va passer crème parce que j'en ai plein le cul de courir pour ce même truc. Ouh! Bientôt presque plus rien là-dedans. Donc, voilà. Je me prépare tout doucement. Alors, comme vous pouvez voir en ce moment, depuis quelques temps, j'ai un style plutôt sportwear, on va dire ça comme ça. Je pars du principe que je dois être à l'aise au maximum. Depuis ma prise de poids, c'est un peu galère. J'ai un peu du mal à supporter les jeans. J'ai pas encore trouvé le jean parfait. Je dis pas que j'en mets plus jamais, mais bon. Je me casse plus trop la nénette. Ça passe encore dans la mesure où c'est noir. Bon, voilà. Enfin, j'avoue que si pour le maquillage, les soins et tout ça, j'y vais quand même correctement. Au niveau vêtements, c'est un peu aléatoire. Enfin, le primordial, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on porte. Donc voilà. Donc je vais me préparer à partir. Je pense que je vais prendre déjà le caddie et le sac à dos. Pour les courses tout à l'heure, comme ça je fais pas des allées et venues ici non plus parce que je vais en avoir marre à un moment donné. Donc, à mon avis, quand j'aurai fini ce que j'ai à faire chez moi, j'irai faire les courses directement et je reviendrai ici faire ce que j'ai à faire ici. Ah, l'essorage commence! J'aurai pas le temps de vider la machine, tiens donc. Voilà! Donc voilà, par chance c'est passé crème, je suis en chemin vers chez moi. J'ai déjà fait 2-3 courses, je suis déjà chargée. Donc voilà. Bon, là j'ai l'air de revenir d'une salle de sport. Ça revient presque au même. Parce que là j'ai hâte de revenir avec toutes les courses de la semaine. J'ai dû monter, je sais pas comment j'ai fait pour monter avec ça honnêtement. Donc ma track balai, pas un kilomètre, mais on va dire pas loin quoi. Pas loin d'un kilomètre avec je vous montrerai après. Et truc qui m'a énervé, c'est qu'à un moment il y a un trottoir super étroit. À une personne c'est déjà galère pour vous situer. Et là il y avait 2 ados. Déjà je me prenais les enfin, quand il y a un mur qui ressort un peu, je me prenais à chaque fois la route, mon caddie dedans. Et ils étaient déjà au loin en train de me regarder pendant 20 minutes en train de galérer. Et c'est quand j'arrive au moment où c'est une impasse totale, parce qu'il y a une voiture garée évidemment à moitié sur le trottoir, parce que ça, Airstyle, on est doué pour ça. C'est à ce moment-là qu'ils disent, oh, faudrait peut-être qu'on se mette sur le côté. Et ils se dégagent nonchalamment, ils continuent à me regarder en mode. Ça m'énerve. Hein. C'est le genre de lascivisme, ça m'énerve. Je pense qu'il y a une certaine distance, tu vois bien qu'une personne galère, mets-toi moi sur le côté, je te demande pas de m'aider, quoi. Mais enfin voilà, c'est le genre de truc. Après, on viendra râler quand on dit que les jeunes sont mal éduqués, mais à un moment donné, je sais pas, c'est du civisme, quoi. Tu vois quelqu'un qui galère, tu te mets au moins sur le côté. Enfin bon. Là, j'essaye de me poser un peu avant de ranger les courses, quoique là, je me foutrais bien dans mon frigo. Et enfin voilà, c'est le genre de choses qui m'agacent vraiment, quoi. C'est. Je sais pas, faut avoir un peu de jugeote à un moment donné, non? Enfin bon, moi je suis rentrée, j'ai fait mes courses. Le pire est passé. Je ferai plus jamais ça. Plus jamais. Tant que j'ai pas de voiture en tout cas. Donc voilà ce que je vous disais, je souhaiterais trackballer tout ça. Un gros sac à dos, plus ça. Sachant que j'ai pris de la viande, des bouteilles, de coca, d'ice tea, enfin des grosses bouteilles. Donc voilà. Donc les courses sont rangées, je viens de remettre de l'ordre un peu dans mes idées parce que sur le bureau de mon copain c'était le bordel pour le montage de mes vidéos. D'ailleurs je vais commencer à monter celle que je suis en train de tourner et là j'aimerais bien envisager ma vidéo wishlist parce qu'elle doit être là demain. Donc je vais déjà noter ce qu'il faut que je note et après bah, je vais essayer de la tourner. Par contre avec le boucan qu'il y a dans le bâtiment ça va pas être... easy peasy, hein. Enfin bon, on va se contenter de ce qu'il y a. Hein. Celui qui n'est pas content, il viendra se plaindre au voisinage. Voilà. Alors les gars, je suis en train de monter sur la miniature. De monter sur. De bosser sur la miniature de ma vidéo. J'ai fait ce montage. Je pense que c'est. Le montage le plus épique de l'histoire de YouTube.
Étant donné qu'en ce moment je vis un peu une journée comme une femme au foyer, hein, on va le dire, bah, ça m'a fait penser à, vous voyez la série un peu, voilà quoi, Desperate Housewives. Donc du coup, j'ai fait un montage comme ceci, je ne sais pas si vous voyez. C'est absolument magnifique. Je suis très sexy comme ça. Ah, voilà. Voilà, c'était la poilade que je vous partage. Merveilleux. Je vais continuer mon merveilleux montage, hein, si vous voulez bien. Donc voilà, je viens de finir de tourner la vidéo wishlist. Là, je suis en train de la monter, mais il n'y a pas grand-chose à faire niveau montage parce que je suis un génie. J'ai réussi à... Parce que j'avais mon programme OBS, si vous voulez, qui est juste ici. Voilà. Bah tout ça c'était parti. Et bon, du coup bah j'ai dû tout remettre. Et encore j'ai pas tout remis. Enfin j'avais tout remis mais j'ai fait le con, j'ai oublié de remettre des trucs apparemment, mais ça restera comme ça. Hein. Sachant que j'ai su mettre les retours caméra et capture d'écran toute seule. Alors qu'hier encore j'y arrivais pas. J'avais demandé à mon copain de le faire, il m'a dit ouais je le ferai un de ces quatre. Oui mais sauf que ma vidéo wishlist elle sort demain. Donc voilà, je suis très contente d'avoir réussi à faire ça parce que c'était pas gagné d'avance. Voilà. Là, il est 14h09, je vais finir ça. Je vais peut-être me manger un petit truc parce que bah, j'ai encore rien mangé aujourd'hui, alors c'est pas très bien. C'est pas très bien. Donc je vais finir ça et je vais déjà la pré-poster, faire la miniature. Et voilà. Après, il me restera plus qu'à penser au souper. Donc, je suis enfin un peu plus zen. Hein? J'ai cru que j'y arriverais jamais. Bon, allez, je continue. Je continue, je continue. Bon, trêve de carabistouille, je meurs de faim. Donc, ce midi, enfin, cet après-midi, de toute façon, on mange tard le soir. Donc, je me fais du gyoza. Alors ici, ils sont surgelés. J'en ai trouvé chez Lidl. Voilà. Et donc là, j'ai juste mis de l'huile d'olive. Je vais les laisser cuire 2-3 minutes. Et après, je rajouterai un peu d'eau. Et je vais encore les laisser cuire 3-4 minutes, en fait. Voilà. On va tester. C'est la première fois. Donc... J'espère que ça va me plaire. Je meurs de faim. Je mangerai de la merde tellement j'ai faim. En plus, je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon, le détecteur de fumée se déclenche quand il y a de la merde, quand on cuit. Donc voilà, je caille. Patience, patience. Dans 10 minutes, ça sera fini. Eh ben, ça fait du bien de manger. Bon, j'ai hâte de recevoir une bonne nouvelle. Mon copain va arriver. Finalement, il a fini beaucoup plus tôt. D'habitude, à 20h. Je l'attends encore. Donc là, je suis contente. parce que je commence un peu à m'ennuyer. Voilà. Voilà, toi, tu as crevé toute la journée et puis tu retrouves ça! Les orteils en éventail. Bravo! Dis bonjour aux abonnés! Il est toujours aussi méchant. Bref. Imite un peu Donald. Voilà, pendant que monsieur se repose, madame travaille encore. Donc, là, je vais préparer le souper. Je vais un peu vous montrer un truc tout con que je fais souvent avec ma mère et que j'adore. Pour moi, c'est une tuerie, franchement. Donc, voilà, je vais passer dans l'autre sens pour vous montrer. Ça sera plus simple. Alors, pour commencer, on va avoir besoin de pommes de terre. J'ai pris des rouges parce que les rouges de chez Lidl sont vraiment très bonnes. Maintenant, vous prenez selon votre goût. Ici, des haricots tout plats. J'adore les haricots, c'est mon kiff. Des saucisses de campagne. Bon, maintenant, c'est pas un plat pour les véganes, hein, je suis désolée. De la crème culinaire.
Maintenant, vous pouvez faire sans la viande. Et au niveau des épices, du sel, du poivre. Là, j'ai vraiment pris la base. Hein. De la ciboulette. Et moi, j'aime bien rajouter un peu d'ail. Vu qu'on sera dur à manger de l'ail, ça ne sortira pas. Donc, voilà, maintenant, c'est vraiment selon votre goût, les épices. Donc là, moi, je vais commencer par éplucher les pommes de terre. Ça sera déjà un bon point. Voilà, par contre, je m'excuse pour la luminosité. Donc, une fois que vous avez épluché, découpé et rincé vos pommes de terre, vous pouvez y ajouter les haricots que vous allez rincer un peu avant, quand même. Enfin, moi, je le fais toujours, en tout cas. On ne sait jamais, je ne sais pas s'ils étaient rassés à l'avance ou quoi. Donc voilà mes petits haricots. Et je vais donner de l'haricot froid, j'aime pas. Je vais ajouter directement mes saucisses qui vont cuire avec. Alors moi j'adore. Maintenant, Chine, elle vous dira qu'elle préfère cuire au beurre. Maintenant, c'est chacun ses goûts. Ceci dit, il faut savoir que cuit comme ça, c'est vachement moins calorique, même si j'ajoute de la crème fraîche à la fin. Maintenant, ça c'est moi qui l'ajoute, donc c'est vous qui voyez. Donc je remplis d'eau juste au-dessus. Alors, je mets directement du sel parce qu'il faut que ce soit bien salé. Donc, généralement, on m'envoie des messages. Je mets la dose, après j'en rajoute plus et je mets cuire directement. Voilà. Voilà, alors sur le temps que ça se prépare, je vais préparer les tartines de monsieur parce que voilà, faut bien qu'il mange demain à midi. Donc, ma mère m'a donné du reste de porc d'hier. De nouveau, c'est pas pour les véganes. Je suis désolée. Mais nous, on aime quand même bien la viande. Donc, je vais me faire ça avec un peu de ketchup. Je vais couper en deux. Je vais emballer tout simplement. Et mettre au frigo. Comme ça, il n'aura plus qu'à prendre sa nourriture. Et à manger tranquillement à midi. J'espère que ça lui plaira. Normalement, il n'est pas bien difficile, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, bah voilà. C'est juste ça. Voilà, donc l'essentiel de la vaisselle est faite. Parce que ça, je mets toujours un point d'honneur quand je cuisine à éliminer vraiment au fur et à mesure les crasses, la vaisselle, machin. Ici. Donc voilà. Une fois que c'est cuit, on retire les saucisses. Et. On peut passer à l'étape de l'assaisonnement. Alors, moi j'ai bien secoué ma crème fraîche pour qu'elle s'épaississe un peu, donc c'est normal si elle a un aspect. Elle n'est même pas si secouée que ça en fait. Voilà, maintenant il n'y a pas besoin d'une consistance de malade non plus. Je mets la dose, ce qui explique. Là où c'est calorique, bien entendu. Alors ensuite, je rajoute quand même de la ciboulette. Moi j'adore ça, je trouve que ça rajoute une substance de dingue. Ensuite, au poivre quand même. Alors généralement les condiments on les met à la fin de la préparation. Moi c'est ce qu'on m'a appris. Donc voilà, moi j'applique ça comme ça. Je mets un peu d'ail. Je vais essayer de pas trop exagérer parce que on a tous les deux des choses à faire demain. On n'a pas envie d'embusquer le monde. Et ensuite on mélange le tout. Voilà, et comme ça c'est prêt. On peut servir dans les assiettes. J'ai plus qu'à réveiller mon homme et on est bon. Voilà. Donc là,
journée touche enfin à sa fin, donc là je me fais couler un bain tranquille et donc je vais me laver avec ceci. Donc il s'agit de Ritual of Yalda et ensuite je m'hydraterai le corps avec la crème qui va avec. Voilà, mais avant ça je vais me démaquiller et puis faire un petit blanchiment. Voilà, donc ici c'est l'instant où je vais vous montrer ma nouvelle routine avec Pin-Up Secret. Voilà, donc il s'agit de peeling sans grain. Donc ici, je vais avec un pinceau l'appliquer sur tout mon visage pour ensuite le laisser poser une petite minute. Voilà, donc go. Voilà, donc ça c'est fait, donc je vais laisser poser le temps de rincer mon pinceau. Comme vous pouvez voir, c'est pas hyper flagrant, donc voilà, mais je trouve que ça marche bien. Voilà, donc ici ce qu'il faut faire, c'est frictionner comme ceci et vous allez avoir des peaux mortes qui vont foutre le camp et des résidus. Voilà, donc je pense que j'ai un peu mis la dose aujourd'hui. Donc après on enlève ça. Donc quand on a bien frictionné partout pendant un petit temps, on n'a plus qu'à rincer son visage. Et après je vais vous montrer l'étape suivante. Voilà, donc pour le peeling c'est une à deux fois par semaine. Et maintenant je vais utiliser dans la même gamme ce savon qui est au lait de chèvre. Donc on peut soit se laver le visage avec et soit le faire mousser quelques secondes sous l'eau pour ensuite l'appliquer en masque et on le laisse poser entre 2 et 15 minutes, ça dépend un peu du type de peau. Moi généralement je vais pas au-delà de 5 minutes, j'ai pas une peau à ce point non plus. Donc voilà, maintenant il y a des personnes qui vous expliquent un peu mieux comment ça fonctionne, style Gaël Garcia Diaz, avec qui je suis tombée amoureuse du produit en fait. Donc voilà, go faire mousser ça et l'appliquer sur ma tête pour vous montrer ce que ça donne en vrai. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a bien fait mousser et qu'on a encore refrotté sur son visage. Donc comme j'ai dit, c'est 2 à 15 minutes quand on le pose en masque. Maintenant on peut juste l'utiliser comme savon, donc ça c'est matin et soir, pour se laver le visage. Donc double usage, c'est cool. Donc moi ici je pense que je vais pas aller au-delà de 5 minutes comme d'habitude. Et après je vais appliquer de cette même collection la crème précieuse, donc voilà. Déjà laisser ça poser, alors bien rincer évidemment après, avant d'appliquer la crème évidemment. Voilà, donc ici j'applique ma crème précieuse que j'ai mise également ce matin et là je vais masser délicatement, tenter d'éviter le contour des yeux, pas comme je viens de faire, jusqu'à ce que ça soit bien imprégné dans ma peau du coup. Voilà, alors l'odeur est légèrement citronnée. Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, parce que quand on m'avait dit lait de chèvre, j'étais oulala. Mais l'odeur est légèrement citronnée et c'est pas déplaisant. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, il se peut que les soins du visage, d'ailleurs ici, vous sortent des imperfections. C'est normal, ça enlève toutes les impuretés de votre visage. Donc. Pas de panique, c'est comme le Clairasil, ça peut faire tout sortir. Faut ce qu'il faut. Donc voilà, c'est ainsi que ça se termine. Je trouvais cette journée quand même intéressante. Dans le sens où si on compare ce premier vlog à celui de l'année passée, on voit l'évolution de ce que je faisais avant et de ce que je me retrouve à faire maintenant en fait. Et encore, sachant que ici je suis exceptionnellement chez mon papa. Mais enfin voilà, je trouve que c'était quand même sympa, donc voilà. Donc moi je vous dis à demain pour l'épisode 3, donc ça sera sur la wishlist, donc soyez prêts. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à demain.